Bonjour tout le monde, c'est Leif, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Decisive Campaigns Barbarossa. Et la dernière fois, on était arrêté juste à la fin du premier tour, donc je vous propose qu'on passe le tour. Voilà, hop. Donc là, on va avoir un certain moment d'attente qui va être lié à tous les calculs qui vont être faits par l'IA, donc vous avez ici. Voilà, vous voyez, 25%, bon, il faut attendre quelques, alors pas minutes, hein, c'est toujours un petit peu long, mais c'est vrai que j'ai laissé un peu plus de temps à l'IA pour faire ses calculs et préparer et essayer de trouver les meilleurs moyens de gagner, hein, tout simplement, et puis d'essayer de m'en faire baver un petit peu. Pas trop, si possible, quand même, ça serait pas mal. Bon, vous inquiétez pas, 40%, mais le jeu n'a pas planté, la suite arrive. Ça va plutôt assez vite après, donc là c'est plutôt une phase, voilà, le jeu calcule, et ensuite nous verrons ensemble les différents mouvements. Les mouvements ça va plutôt assez rapidement, je vous préviens. Bon, globalement on voit à peu près ce qui s'est fait, mais c'est vrai que dans le détail, bon. Alors ça recule évidemment, hein, c'est le but hein, quand même, de reculer et créer de nouvelles lignes de front. Ça n'a pas bougé, c'est très bien. J'ai des encerclements parfois qui sont compliqués et légers. Voilà, ils se recentrent. Une attaque. Ouais, là, se ressentent sur le Wolf. Logique, hein, défense du passage par les rails, par la voie ferroviaire. Voilà, pareil. Globalement, voilà, ils essayent de se sortir des nasses. Bon. Ça n'a pas forcément fait tous les événements que j'aurais souhaité. Donc on va essayer de voir ça un petit peu mieux. Hop. Alors. Donc ça c'est le petit journal de bord du général Franz Halder. Qui n'a aucun impact sur le jeu. J'ai que le deuxième Panzergroup qui a un focus card. Sinon, l'artillerie est bien déployée. L'artillerie est d'assiégée arrivée à Brest-Litovsk et commencera à tirer au prochain tour. La Luftwaffe est toujours en attaque de l'aviation ennemie. Et j'ai une division déployée et 4 qui ont raté. Et 4 décisions qui attendent des choix de ma part. Panzergroup, tout va bien, 100% 100% en or, 97% un petit peu moins, là 100%, bon, c'est le début de campagne, de toute façon, plutôt bon. Et puis là, lui tout se passe bien, il est content. Alors, avant de regarder ce qui s'est passé, je vous propose peut-être tout simplement de jeter un œil aux décisions. Donc il y en a 4. Les décisions sont pas toujours les mêmes, hein, d'ailleurs. Si je rechargeais plusieurs fois la carte, on n'aurait pas toujours les mêmes choses. Donc c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir à chaque fois un jeu assez dynamique. Alors les allocations. Est-ce que je laisse pareil l'allocation actuelle 20, 53, 27, je trouve qu'elle est pas mal. C'est vrai que le centre, après, il y a des grosses zones, il y a deux groupes armés mobiles, enfin deux Panzergroups. Donc ça vaut le coup. Je ne vais pas faire de changement. Ensuite, côté sud, où est-ce que j'en suis des relations? Je suis en good avec mon ami Gerke.
Est-ce que ça va continuer? C'est une bonne question. Et sinon, je suis en neutral avec tout le monde. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit? Déjà, ça concerne quel groupe? Sud. Il me dit que il y a des problèmes de ravitaillement sur les locomotives, parce que voilà, c'est pas forcément exactement les mêmes entre les locomotives allemandes et soviétiques. Von Brochtich, il va pas être très content. Oh, et je pense que je suis déjà pas forcément très bien vu par lui. Moins 2. Il y a eu mieux. Allez, on va voir c'est la suite. S'il y en a d'autres qui sont concernés. L'Oberlieutenant Wilfried, qu'est-ce qu'il a lui? Wilfried Kranzer. Et son comportement s'est détérioré. La semaine dernière, il n'était pas très bien habillé ni bien rasé. Bah, bravo. Et voilà. Manquement à la discipline. Ok, sa famille a été tuée dans un raid aérien. Il n'est pas content. Donc là, c'est l'impact sur les décisions, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire de... Voilà. Alors, 80% de positif. 80... Bon, bah, d'un côté, avoir un mot avec lui, toucher un mot, c'est 80% de chance de résultat positif. Et 4 points, c'est pas tant que ça. Parce qu'en fait, il faut que je fasse un jet de dés de moins de 80. Ou là, il faudrait que je fasse un GD de plus de 80. Autant vous dire que j'ai plus de chance de faire moins. Donc voilà, il est content. Le staff est content. Tout roule, j'ai perdu 4 points. Bon, je n'ai pas utilisé de premier, donc ça ira. Ici, Prorich. Qu'est-ce qui l'embête là? Ah ok, donc lui il est pas bien non plus parce que visiblement il est pas très très bien dans sa tête. Ils nous font chier parce qu'en plus ça coûte vachement de points tout ça là. Donc mon chef, il serait plutôt pour que je sois sympa avec lui. Si je... Le problème c'est que là, 12 points c'est énorme. Là c'est pas la compassion, donc il sera peut-être pas d'accord. Là c'est partager un coup à boire, mais 60%. Ça m'embête d'utiliser 8 points là-dessus quand même. Et puis en plus, je suis pas sûr que ça fonctionne parfaitement. Pire, qu'est-ce qui peut se passer? Ah, je suis en handicap. C'est con, j'étais à 100. Allez, on va boire un coup avec lui. Oh! Impeccable, regardez! 88. Ça arrive extrêmement rarement, mais une fois, c'est bien tombé, j'ai gardé des points. Bon, allez, les infrastructures, qu'est-ce qu'on va se faire? Eh bien, je pense quand même que c'est important peut-être qu'on s'occupe du rail. Au sud, il me fait la gueule, et je crois qu'il me fait déjà la gueule, Rundstedt. Presque. Et lui, il est content pour l'instant, il a plus 16. Ah mais c'est bon.
Non, allez, on va essayer de continuer. Je suis passé en neutral, l'autre est passé en good. C'est pas mal d'avoir son chef dans la poche. Bon. Je peux jouer des cartes. Des cartes de commande. Notamment le focus sur le groupe Nord. J'aurais bien aimé pouvoir le mettre sur un Panzer Group, mais il ne veut pas. Je pense que parce que j'ai pas assez bonne relation encore avec lui. Qu'est-ce qui sera plutôt la 18? On va mettre sur la 16e. Ok. Ah, si, je peux mettre sur un Panzer Group. Non, en fait, c'était déjà fait. Et là, je peux toujours pas. J'ai la 17e armée au sud. Ou la 11e armée. 6e, la 6e. Que je peux peut-être m'en servir pour tracer. Non, essayer de renforcer la 17e. C'est un peu la plus importante. De toute façon, ce sera au prochain tour. Allez, c'est good. Donc là, j'ai notre ami qui s'est repoussé. Donc on va déplacer une division. Ici, toujours rien. Ouais, je vais bouffer tous ces points là. Là, ça consomme trop là. Oh, 45-40, ouais. On va l'envoyer là. Est-ce que j'ai d'autres trucs? C'est quand même dommage d'utiliser des points d'action. Visible en plus, bien retranché. Hop, on va attaquer. On va essayer de pas utiliser l'arme, le motorisé. Ok. Donc toi t'as quoi? T'as encore deux là. Bah, 18e. Hop, alors on va essayer de rejoindre là et avec le 10e armée de boucler Riga. Ce sera la 16e armée qui va essayer de faire la poche ici. Pas forcément évident. L'infanterie. Ah, c'est très cher de rentrer dans la forêt, évidemment. Enfin, très cher, un peu plus cher. Hein. Et on va utiliser. Je le déplace, celui-là, on va déplacer. On va faire reculer lui, de toute façon, ce sera plus simple. Hop. Voilà, un petit peu d'impact. Très bien. Là, de toute façon.
J'ai pas bien le choix. On va faire reculer ici aussi. Un panique, ce serait bien. Là, il n'est pas forcément encore très très bien très bien planqué. Est-ce que les 100, je peux les déplacer là sans trop 55. J'ai quoi, 45, 75. Je vais déplacer la deuxième, je pense. L'idée, c'est d'arriver à prendre la ville. Ça devrait passer. Très bien. Voilà, on prend Kona. C'est très bien. Ouais, ça fait toujours un nœud ferroviaire de prix. L'idéal serait... Ah, j'ai plus rien qui peut attaquer là. Pas bon ça, j'ai quoi 30, ouais, ça, je vais faire trop fort et en dégâts. Bon, maintenant faut que je réfléchisse à mes Panzer Group. Soit je fonce un peu plus vite sur les gars et à mon avis il y aura de quoi faire, soit j'essaie de terminer d'encercler le QG de la 11e armée. Est-ce qu'il y a d'autres intéressants là? Hop, il y a un deuxième QG ici, mais où je l'aurai pas. Parce que là j'ai quoi? C'est là où j'ai... Là j'ai la motorisée. Je peux peut-être aller voir un peu là-bas ce qui est bien. Ouais, j'ai pas assez, 85, 80. Ça serait peut-être plus efficace ici. Est-ce que j'ai de l'infanterie là-dedans? Bon, c'est tout du motorisé. Donc ouais, on va faire ça, on va utiliser là. Par contre, j'étais con. Non, c'est les plaines. Bon, j'ai quand même perdu pas mal. En plaine, c'est étrange. Hop. Ouais, on va attaquer juste avec du char. Hop. J'ai quoi là? Non mais j'ai quand même un petit peu de mortier. Oh, allez, je vais plutôt partir sur une... Sur ça, là, hop, les 90, je vais en garder un peu, 35, 4. Ouais, ça suffit. Non, ça va être un peu difficile. Ah, j'en ai un 90 d'un côté.
Ça peut le faire. Non. Pas assez de points. Pas assez de points d'action. Idéalement, ce serait plus par là. Toi, t'es un peu trop loin en fait. Non, le plus important, ça va se soutenir ici. Tant pis pour toi. On va la ramener là, tant pis là. On va faire la zone avec l'infanterie. Bon, voilà pour le groupe Nord. On va faire comme ça. Là, je progresse sur les lignes de rail. Et on va essayer de fermer ce bout-là, puis de foncer sur les gars. Mais j'aurai du coup moins d'ennemis, j'espère. Bon, là, hop, on va se servir de l'infanterie au sud. De tous les côtés, hein, pour voilà, attaquer et faire reculer au maximum. Voilà, sous Bialystok, toujours compliqué à dire, hein, ça n'a pas changé. Non, pas faire un groupe, on va faire juste un déplacement. On prend les deux qui ont déjà. On va faire comme ça. Ça devrait vite reculer. Hop! C'est vraiment pour faire avancer parce que je pense que de toute façon je n'aurai pas assez de points. Je manquais cruellement de renforts. Je vais devoir utiliser je pense des panzers. Là je suis pas du tout sûr de les faire reculer comme ça. Il faudrait au moins un de plus. Combien? 42. Allez. Ah oui, mais non, en plus là, c'est en plein. Bien moi. Ça, c'est quoi? Division motorisée. Non, mais un petit peu. Parce que je dépasse largement. Ça n'a pas été suffisant. Bon. Non, faut que je mette au moins un char 1,76.
Je sais pas pourquoi il compte 453 par contre. Voilà, j'ai manqué un petit peu de force de frappe. Et là, j'ai plein de trucs, et je pense qu'il faut vraiment que j'ai beaucoup, beaucoup plus. 190 ou 200, d'un côté, j'ai pas trop le choix, mais ça va jamais passer, ça. On peut essayer. C'est passé. C'est passé, hop, on prend une unité qui peut y aller, il n'y en a aucune qui veut. 59, il faut que je... C'est fou ça. Bon bah ça sera au prochain tour. Hein. C'est pas très grave. Bon voilà, une poche de réduite. Pas aussi efficacement peut-être que j'aurais voulu. Là, on peut essayer de piéger peut-être ces trois unités-là. Pas grand-chose à faire, il suffit juste de pousser un peu plus vers le sud. Ou je me sers de ces deux divisions pour aller sur Vilnius. Mais à mon avis, il n'y aura quand même pas grand monde là-bas. Comme peu de chance que ça fonctionne comme ça. Là, j'ai une infanterie. Ok, donc j'ai quand même beaucoup d'infanterie qui de toute façon n'arrivera pas à suivre. Et je m'étais dit... Ah oui, là, d'ailleurs j'ai des cartes à jouer, donc les cartes, voilà comment ça fonctionne. En fait, on a différents types de cartes qui correspondent aux différentes caractéristiques. Et par exemple là, moi ce que je peux vouloir, c'est d'utiliser peut-être plus la force de frappe offensive. 7. Carte qui va ajouter en fait un bonus, le bonus correspondant au bonus du général, donc là Guderian. Hop, voilà, donc ils ont un petit bonus supplémentaire, common focus. Ok, bon allez, faut bouger hein. Là il y a une ville et ils sont pas trop retranchés. Est-ce qu'il est le chef de tout ce bazar là? Il est là, ouais, bah, je vais peut-être faire une petite poche, je vais me servir de ça. Je sais pas si c'est une excellente idée d'attaquer avec des chars en ville. On va attaquer comme ça. Et puis là, on va pouvoir attaquer plus avec de l'infanterie. Hop. Ah mince, j'aurais dû faire l'inverse, j'étais bête. Parce que j'ai rien au sud. Ah, j'ai des coups. Ah oui, j'ai vraiment été très bête là. Est-ce que ça devrait suffire avec... Non.
J'ai peur que ça soit moyen. Moyen, moyen, moins. Un petit peu retranché en plus. Ah, lui, il a plus de HQ en plus. Et la portée de soutien. Good. Juste peut-être. Non, ça serait bien. Allez, on s'élimine tout ça. J'ai un peu bourrin, j'ai un peu sélectionné le centre de commandement. Et ils sont pas morts. Et est-ce que je peux encore attaquer? Non, ah oui, non, c'est vrai, j'ai plus de points. C'est con, parce que j'aurais bien aimé m'en débarrasser. Bon. Peut-être essayer de prendre deux villes. Ah, c'est vraiment le problème, hein. C'est les points, les points, les points, les points. Allez, on va essayer de remonter peut-être un peu les chars, parce que je vais essayer plutôt d'utiliser le deuxième Panzer Group pour attaquer sur Minsk avec ses forces blindées. Et donc voilà, on va utiliser là ce qui reste là. Là c'est moins loin, mais ici. Là on va laisser l'infanterie, on va essayer de. Hop. Ça permet de voir un petit peu ce qu'il y a aussi là-bas. En tout cas, il n'y avait pas grand-chose. Il y a encore un beau tas là. Notamment de tanks, c'est pas des gros tanks, hein. Il y a quand même des T-34. Ça peut le faire. Aïe, mince, j'ai oublié d'être sur gros. Oh le con. Ah, si je le ramène là, le problème c'est que je suis plus personne ici. Aïe aïe aïe. Il va récupérer de la. Voilà, d'un côté dans la forêt. Oh, je suis bête. Bon. Ben, c'était une erreur. J'ai complètement oublié que j'avais en fait capturé la ville ici. Pas très malin de ma part.
Peut-être envoyer une division moto. Non, même pas. Je vais même pas envoyer d'enfant. Bon, allez, c'est pas grave. Là, j'ai ici l'artillerie qui est arrivée. Donc, on va pas tout bouger pour l'instant. Moi, ce que je veux, c'est désengager mes panzers. Hop, on va attaquer ça avec de l'infanterie. Un peu de cavalerie. Très bien, hop, là, on va utiliser la cavalerie pour compléter. On va commencer à monter de l'infanterie. Parce qu'évidemment, elle se déplace moins vite, ça, vous l'aurez compris. Je préfère laisser le 4ème groupe à corps armé gérer cette situation. Voilà. En plus, il n'y a pas grand chose, hein, donc c'est pas la peine non plus de s'affoler. Combien de points d'action le 89, celui-là? 110. Hop, on va reculer. On peut essayer d'attaquer le QG. Voilà. C'est poussif, hein, mais... Hop, on va attaquer. Peut-être pas avec tant quand même, ça sert à rien. Ça doit suffire. Oui, ça suffit largement. Là, j'ai encore pas mal d'actifs, mais eux, ils ont déjà un peu consommé en points. Voilà, un mis de soutien. Hop, ici, point, plus de points. Là, encore un peu de points. Je pourrais attaquer ça. Ouais, ça permet juste d'ouvrir le passage. De toute façon, après, c'est du marais, je crois, ouais, donc ça va être compliqué. Hop, on continue d'attaquer. On va continuer d'attaquer sur le QG, voilà, qui est broken.
Donc il n'y a plus de QG. Et donc normalement, peut-être que je vais en trouver où ça sera marqué qu'il n'y a plus. Non. Du coup, il n'y a pas forcément d'informations particulières. Il doit y avoir un autre QG. Ah bah, il y en a un là. Hop, bon bah on est pas mal là. Ah non, mais j'ai encore un char là que je vais déplacer ici. Et puis toi tu vas rester là, c'est très bien. Et toi ici aussi, c'est très bien. Et là de toute façon, je pense que je peux plus rien faire. Ah si. Allez, on va faire comme ça, on va faire reculer un petit peu. Non, moi, histoire de faire un truc. Oh bah tiens, il est venu là, lui, c'est marrant. Je suis purée. Allez, c'est bon. C'est pas mal, on est pas mal. Bête erreur ici, qui m'embête bien. Et si, est-ce que je peux pas attaquer un truc? On va voir ça de suite. Non, je peux pas. Bon, et bah tant pis, c'est pas grave. Et ils sont méchants. Au sud, allez, au sud. On va essayer d'accélérer un tout petit peu, mon petit life. Ici, l'idée, ça va être de rabattre sur le Vof. On va pour cela utiliser plutôt le 6ème groupe pour circonscrire ces petites unités-là. Vas-y, les entourer, en tout cas de les réduire au silence. Hop, on prend celui qui a le plus de... un petit peu de bonne action, est-ce que ça devrait suffire? Faisons un deuxième parce que je préfère vraiment être sûr que l'attaque ne soit pas inutile. Voilà, hop, clic. Ensuite, du coup, toi tu vas avancer là. Là, on attaque avec deux stacks d'infanterie. Voilà, on fait reculer tout ça. Non. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'il a d'autre lui à gérer? Ici, il a de l'infanterie, okay, qui va peut-être juste attaquer là. On va faire reculer ceux-là. J'aurais pu essayer de bénéficier d'un encerclement, parce que je crois que j'en avais une autre ici. Ouais, bon, c'est pas bien grave. Ok, en plus elle s'est rabattue du bon côté. Faut que je fasse gaffe à pas trop les... Ouais, c'est bien, ça va. Pas trop les disperser. Hop, voilà. On va attaquer avec toujours cette infanterie. Très bien. Attends, non, pas tout. Voilà, hop. Pff, ils sont en limite, mais on est toujours bon. Je peux toujours attaquer ici les tanks avec... Ah, j'ai plus qu'une qui peut intervenir en support. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Là, l'idée, c'est peut-être de tracer plus droit. Alors, ils sont toujours en plaine, hein. Donc plaine et plaine. Ah non, forêt. Forêt, c'est plus embêtant. Là, c'est de la plaine. Faut peut-être plus couper par là, pousser là, tout droit. Hop. Vas-y, déplace-toi ici. On va prendre ceux que je viens de déplacer qui ont un peu moins de points d'action. Mais qui devrait être suffisant pour faire reculer l'ennemi. Voilà, comme ça, ils ont déjà bien utilisé leurs points. Les Slovaques.
On peut faire utiliser celle-là ici pour commencer à faire une petite manœuvre d'enroulement. Là, hop, on va faire reculer celle-là avec une seule armée légère. Ça devrait suffire. Voilà. On va faire avancer de ce pas. Hop. Hop. Là, à la rigueur, je peux attaquer. Ah non, il y a bien trop là. Ça suffit largement. Ah non. Il manque un peu de puissance, peut-être de feu. Ça manque un tout petit peu de puissance de frappe. Non, on va pas bouger là. Donc là, effectivement, je peux aller ici. Là, je sais pas grand chose. Ici, j'ai ça. Parce que si je mène là, ça coûte 94, il y en a 140. Je peux couper un tout petit peu. C'est toujours bon à prendre. Et je peux peut-être même utiliser eux ici, parce que 79, il me restera un tout petit peu de points d'action. Est-ce que ça sera pas suffisant? Voilà. Bon, là, j'ai quoi pour attaquer? Ça peut faire. C'est quand même des bonnes armées. Voilà, ils se sont mis ici principalement. Est-ce que j'ai de l'infanterie? J'ai une cavalerie ici qui peut venir tenir peut-être le bout de front. Voilà. Là, du coup. Eh bien, tout simplement, essayer de réduire ça au maximum. Non. Je vais essayer d'en mettre le moins possible. 60, 60. C'est pas facile toujours de savoir les forces nécessaires. Là, ça a été bon. Mais voilà, c'est pas toujours automatique. Ah, j'ai que 2. Ah, combien de points? A priori 60 et 60, mais là j'ai quand même pas mal d'unités. Je vais mettre un panzer de soutien. Ah! J'étais un peu optimiste sur mon panzer de soutien. 89, 60, il pourra pas faire grand chose. On va mettre une autre division, 79, ah oui, effectivement. Pas suffit. C'est là qu'ils sont bien protégés, ils sont en forêt. Ça n'a pas suffi du tout. Hop.
Ça c'est chiant parce qu'effectivement il faut que je prenne que ceux qui ont participé à la bataille. Voilà. Bon, là je pouvais essayer peut-être de prendre cette zone. Là, j'ai encore beaucoup de points d'action. C'est en pleine. Il y a du monde en face. Mais encore une fois, voilà, des troupes de bonne qualité. Ça peut suffire. Bon, ils se sont pas retranchés où j'aurais voulu, hein, mais bon. Si j'amène du Panzer, est-ce que je peux prendre... Est-ce que si j'amène le maximum, là c'est... Faut combien là? Ah, c'est au niveau des coûts. Je peux pas aller plus loin que ça. Non, j'aurai jamais assez. Au mieux, je peux tenter une attaque. Vous voyez, il y a trop d'unités qui ont résisté. Ils n'auront pas bougé. Ah, en plus, il y a du retranché. Ok, c'est pas grave. Toi, il va falloir te repositionner, je pense, ici. Là, j'ai deux unités assez intéressantes. De l'infanterie qui de toute façon pourra pas aller bien loin. Commencer à l'avancer par là. Et une autre de. Ouais, commencer à aller un petit peu avancer. Voilà, c'est bien. J'ai des points peu. Là j'ai quelques points. Je pourrais. Ils sont dans la forêt. Ouais, lui ça peut être pas mal. L'efficacité des panzers allemands, toujours aussi redoutable. On va pas profiter pour l'instant de cet avantage. Bon, ça m'embête hein, quand même. Ça m'embête un peu. Hop, et au sud, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être reculer. Voilà, un petit peu. À la rigueur. Doubler un petit peu mes divisions qui sont quand même, bon, nettement plus faibles. Nettement plus faible. Ici, on va utiliser le seul groupe Panzer que j'ai. On va aller un petit peu en reconnaissance. Ils sont pas encore très retranchés. Que là, 65. On n'aura pas beaucoup de soutien, mon gars. C'est un peu ce qui m'embête. Non, là on va faire reculer cette unité. Enfin, on va mettre un peu plus. Je me méfie d'eux. L'efficacité parfois toute relative, donc vaut mieux mettre plus que pas assez pour le coup. Ça ne reste que des divisions frontalières. Là, on va laisser elle en soutien. Et peut-être même une division de plus ici. Je peux pas attaquer avec lui. Non, ça va être trop compliqué. Hop. Voilà. On va juste
On avance un tout petit peu, on passe trop sans faire. Non, on oublie. Ok, bah voilà, je pense que c'est tout, hein. On va arrêter là, oui, une petite heure, hein, quand même presque, carrément, pour faire toute la partie, tous les pions, et encore, bon, ça j'ai un peu traîné au début, ça va aller de plus en plus vite aussi, hein, je l'espère. Je sais pas trop quoi penser là, je sais pas si c'est bien ou pas bien. On peut regarder les morts. J'ai fait plus de décès évidemment qu'au premier tour. J'ai aussi fait plus d'actions. J'espère que les troupes ennemies vont aussi bien souffrir. Et voilà, va falloir continuer. Minsk, Riga, Daugavpils principalement. Et là, ça va être la ville de Lvov. Là, c'est Odessa, mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Allez, on s'arrête là, et je vous dis à très vite pour la suite de ce Let's Play. On commencera, comme ce tour-ci, par la fin du tour en cours. Salut tout le monde, ciao !